Et bonjour à tous, aujourd'hui on va attaquer un gros morceau pour ce qui est de notre série des tutoriels des personnages de Wakfu. Aujourd'hui je vais essayer de vous expliquer le plus clairement possible l'Osamodas en support tank. A noter que l'Osamodas peut vraiment jouer plusieurs rôles différents, il peut jouer le rôle de dégâts ou bien le rôle de healer. Je vais pas du tout parler de ces façons de jouer de l'Osamodas dans cette vidéo, on va vraiment s'attarder sur le mode que je joue, le mode tank. Je vous présenterai très probablement dans d'autres vidéos du coup ces modes là. Pour l'instant prenons le temps déjà de bien comprendre le mode tank et on va revenir sur les 7 points habituels comme on l'a fait pour le Xelor et pour le SRAM. C'est-à-dire on va revenir sur les points forts et les points faibles de la classe. Je vais vous conseiller un deck et vous faire une démonstration de chaque combo de sort. On va parler bien sûr de la répartition des stats. Je vais vous donner des stuffs pour toutes les tranches de level. Les enchantements que je vous conseille. Les sublimations ainsi que les sublimations épiques et reliques. Je ne vous parlerai pas dans cette vidéo des personnages support étant donné qu'on est déjà sur un support. Pour ce qui est des points forts de la classe, on peut déjà noter que c'est un tank absolument incroyable. Il est ultra polyvalent. C'est le personnage qui peut le mieux booster votre team en termes de pourcentage de dégâts infligés. C'est en plus un très bon placeur. Son gameplay est vraiment cool. Et en plus, il va absolument avec tous les DPT du jeu. C'est vraiment actuellement le support ultime. Il a eu sa refonte il y a même pas deux mois, il me semble. Et honnêtement, très 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 bonne classe. Je vous invite à l'essayer et vous me direz ce que vous en pensez. Au niveau de ses points faibles, je vais seulement noter qu'il est ultra gourmand en points de Wakfu. Il faudra donc faire vraiment attention dans vos tours de jeu à vos combos, à la gestion de ceci parce que ça peut vite devenir compliqué. Pour ce qui est du deck, j'ai pris l'habitude normalement de vous présenter d'abord les passifs et ensuite les actifs. Là on va faire un peu autrement, je vais plutôt vous présenter les actifs et vous dire en même temps du coup à quoi les passifs vont servir pour ces actifs. La classe est assez complexe dans l'ensemble à jouer, mais vous verrez qu'une fois que vous avez compris la base de la base, honnêtement ça va tout seul. On va commencer par les sorts les plus simples à comprendre. Premier sort, piqûre motivante. Piqûre motivante vous coûtera 3 points de workfou, c'est énorme, et se lance de 1 à 5 PO modifiables. Dans notre mode de jeu, on va essentiellement le lancer sur les alliés qui vont faire des dégâts. Il va donner pour un tour 2 PA et 20% de dégâts infligés. Il peut être lancé jusqu'à 2 cibles par tour. En revanche, une cible qui a déjà eu l'étape piqûre motivante ne pourra pas l'avoir avant 4 tours. C'est l'un des meilleurs boosts actuels du jeu et c'est surtout un des seuls sorts qui permet de gagner des PA. Passons à Célérité, sort de boost un peu dans le même genre. Vous ciblez un allié qui est seulement à 1 PO cette fois-ci par contre. Celui-ci va gagner 25% de dégâts en plus en mêlée. Très intéressant pour tout ce qui est SRAM, YOP héliotropes euh, Zobal DPT, etc. Et en plus, petit effet bonus, il vide tous vos PM pour en donner la moitié à l'allié que vous avez ciblé. Ce qui peut vous permettre de gagner facilement 1, 2 à 3 PM pour un de vos alliés. Rien qu'avec les deux sorts présentés et pour 4 points de wakfu, 1 PA, vous avez déjà donné 2 PA, plusieurs PM et 45% de dégâts infligés à un allié. Passons à présent à Déplumage, qui est un sort très simple également, 2 à 5 PO, 3 PA, vous le mettez sur un ennemi, la cible est tournée de dos, ça peut être pratique dans beaucoup de situations. Vous êtes un support, c'est un très bon sort de support, il peut vous permettre de gagner jusqu'à 4 PM pour vos DPT selon les placements. On le met dans un coin de deck qui servira toujours à un moment. Pareil pour Souffle Répulsif, 2 PA, 1 à 9 PO modifiable en ligne. Le sort pousse tout simplement de une case, très pratique dans énormément de situations, que ce soit pour placer vos alliés, repousser un ennemi, vous détacler, etc. Passons à présent à un des sorts que je préfère de la classe, il est monstrueux, c'est Lien Animal. Combiné avec le passif Rock qui vous donne plus 60% de PV sur votre os à tank, il devient tout simplement. Indispensable. Lien animal 1 à 5 PO permet de transmettre 25% de vos PV en armure à la cible. Je sais pas si vous avez bien compris la puissance de sort, mais regardez tout simplement en image. Ça, c'est mon SRAM level 170. Ça, c'est lien animal. J'ai absolument rien d'autre à ajouter. C'est une barre 100% de shield qui est donnée sur vos DPT pour seulement 4 PA et qui en plus va rendre 2 points de wakfu directement à votre Samodas. Comme on l'a déjà dit, la gestion de vos points de wakfu va être assez compliquée avec l'osa et c'est un sort vraiment pratique. Déjà de 1, il est extrêmement fort. Et en plus, il va vous permettre de facilement remonter vos points de wakfu Faites attention, le sacrifice de vos 25% de PV sont à soigner. Pensez donc bien à avoir un healer dans votre team si vous jouez ce genre de sort. Combo également très utilitaire sur l'Osamodas, le, le passif Dévouement Animal. Dévouement Animal, il permet de faire pas mal de choses, mais on va se servir seulement d'un seul élément. Il diminue vos dégâts infligés et les soins réalisés. On s'en fout donc un peu dans d'autres modes de jeu. La ligne qui nous intéresse, c'est donc celle-là. Les sorts monocypes sur les alliés n'infligent plus de dommages, mais ont des effets supplémentaires doublés sur invocation. Ce qui veut dire que l'intégralité de vos sorts élémentaires de votre deck auront donc à présent de nouveaux effets. Les sorts permettent d'appliquer enflammé. Personnellement, je ne m'en sers pas, mais ça peut vous servir si vous jouez une compression autour d'un sacreur, par exemple. Les sortaires vont donner de l'armure. On prend votre niveau, on multiplie par 2, et c'est la quantité de bouclier qui est donnée par PA du sort utilisé. C'est la ligne et l'effet qui va principalement nous intéresser ici, et je vais vous présenter comment on va la jouer. Les sorts R, quant à eux, soit une 3% de la vie manquante d'un allié par PA, c'est pas très intéressant. On a donc grâce à ce passif nos sorts Terre qui vont pouvoir donner du Shield à nos alliés. Pour ça, dans notre deck, on va rajouter 3 sorts. Déjà Gambade, extrêmement fort. 1 à 6 PO, portée modifiable, on aura donc une très grosse PO dessus et seulement 3 PA. C'est un sort qu'on pourra donc tout simplement spammer au besoin sur nos alliés ou nos invocations pour leur donner du shield. Et en plus, il nous donne 1 PM à chaque lancer. Une façon de se redonner du shield super pratique qui nous servira dans beaucoup de situations. Pesanteur quant à lui est un sorteur à 2 PA, avec une très bonne PO également vu qu'elle est modifiable. Son effet sur ennemi ne va pas spécialement ici nous intéresser. En revanche, ça nous offre un sort super souple pour donner pour seulement 2 PA du shield à un allié. Enfin le dernier sort qu'on va voir avant de parler des invocations c'est Attisement. Attisement je l'ai dans mon deck mais je m'en sers pas énormément. Le problème c'est qu'il coûte un peu de points de wakfu et à moins d'avoir vraiment rien d'autre à faire vous aurez généralement mieux pour soigner dans votre team. Mais n'empêche que lancer sur un allié il lui permettra pendant deux tours d'être soigné à chaque début de tour de 10% de PV. Ce qui est pratique c'est que ça nous offre un sort de soin alors qu'on a un deck qui n'a absolument aucune maîtrise soin. On le garde dans un coin de tête je m'en sers pas énormément mais ça peut toujours vous sauver la mise on ne sait jamais. Jusqu'à présent, de ce que vous avez vu, la classe est assez simple à jouer. On a de quoi donner des PA, des PM, des boosts dégâts, de l'armure, un peu de placement, etc. C'est très cool, mais on est à nos il va être temps d'invoquer et il va donc être temps de parler des trois passifs dont je ne vous ai pas encore parlé ainsi que des quatre sorts actifs dont je ne vous ai pas encore parlé. Le premier sort dont on va parler et le sort que j'utilise le plus du coup personnellement avec le c'est Cri Affaiblissant. 1 à 7 PO modifiable, c'est-à-dire énormément de portée pour 3 PA permet de poser l'état cri affaiblissant sur un monstre. L'état affaiblissant fait qu'à chaque coup reçu par une de vos invocations, la cible va prendre un malus de 70 résistances élémentaires cumulables. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où vous avez lancé ce sort sur une cible, si vos invocations mettent 3 coups dessus, on atteint le palier max des moins 200 de résistances élémentaires, et nos personnages dégâts vont donc pouvoir se régaler dessus. Mais alors la question c'est quelles vont être nos invocations qui vont nous permettre de placer le plus facilement possible ces moins 200 de résistances élémentaires, et si possible, sur plusieurs ennemis. Mon invocation préférée pour ça est évidemment le tirailleur Wabbit. Vous prenez une cible, vous lui posez le cri affaiblissant, et votre invocation dispose de trois sorts, dont seulement deux dont on va parler. Le troisième, Kawot à fragmentation, 1 à 9 PO sans aucune ligne de vue en zone vous permettra de placer très facilement sur vos adversaires. Vous pouvez spammer directement déjà moins -140 de résistance élémentaire. Vous lancez votre troisième attaque avec lance Kawot, pareil, 3 à 9 PO, pas de ligne de vue, 1 point de Wakfu, ça pousse de une case et ça vous permet de poser le troisième état. On a donc potentiellement une cible à l'autre bout de la map sans ligne de vue qui passe à moins 200% de résistance simplement avec ce petit combo-là. Ces attaques peuvent être lancées jusqu'à 4 fois contre 4 points de Wakfu. Vous pouvez donc sur deux cibles complètement éloignées, en alternant un sort de chaque sur chacune des cibles, les mettre à moins 140 de résistance chacune. Encore mieux, si vos cibles sont collées et qu'elles ont toutes les deux l'état qui affaiblissant, vous pouvez simplement faire une double grenade à fragmentation et deux sorts qui repoussent et vos deux cibles sont à moins de 100%. Génialement fort. Maintenant qu'on a posé une invocation sur le terrain, on va pouvoir également se servir du sort transfert. Un sort indécent pour faire du placement 3 PA, 1 point de doigt fou, se lance à 6 PO modifiable en ligne. Il vous permet tout simplement d'être lancé sur n'importe quel allié et il changera de position avec l'invocation qui est à 7 cases maximum la plus proche. C'est un des sorts les plus god tiers possible pour faire du placement, vraiment, gardez-le toujours dans un coin de tête, pouvoir éloigner de plus de 7 cases un de vos alliés en difficulté, ou bien pouvoir ramener un DPT mêlé par exemple de plus de 7 cases en avant pour arriver sur les ennemis, ça peut vraiment vous faire gagner beaucoup, beaucoup de support offensif ou défensif dans un combat. J'aime vraiment beaucoup transfert mais comme d'habitude faites attention un point de wakfu ah, à chaque fois on prend notre point de wakfu dans les bons sorts il va falloir s'habituer si vous n'avez plus de point de wakfu mais que vous souhaitez quand même utiliser une mécanique un peu de transposition comme ça on a relais relais 3 PA ne consommera pas de point de wakfu il se lance pas en ligne mais il a que 5 PO non modifiables il vous permet de faire une transposition entre une invocation ou un allié ou même votre samodas mais cependant la transposition ne sera pas instantanée il faudra attendre le début de tour de l'allié qui a l'état relais c'est un sort un peu plus tactique qui peut se révéler un peu plus compliqué à jouer, mais gardez-le quand même sous le coude. J'avoue que personnellement je m'en sers assez peu, mais je serais bien content de le retrouver le jour où j'en je ai besoin. On a du coup vu à présent tous les sorts actifs du deck de l'Osamodas, mais il nous manque encore 3 passifs à voir, et notamment tout ce qui va avec le Gob Gob. Le Gob Gob, c'est votre invocation de base que vous pouvez poser à 1 PO. Elle coûte 3 PA et du coup vous permet de lancer 5 nouveaux sorts avec votre Samodas. Le premier sort est tout simplement une transposition à 3 PO avec votre ossa pour faire du placement si besoin. Le second sort, Aura Lunaire, vous permettra de poser une glyphe sur votre Samodas ou sur une de vos invocations. L'effet des dégâts infligés par l'aura ne sera pas très intéressant dans le mode de jeu qu'on joue. En revanche, grâce au passif Étoile du Sud, les personnages présents dans une aura lunaire auront donc 20% de dégâts en moins infligés par les ennemis. Un utilitaire de défense supplémentaire, je vous cache pas que dans notre mode tank on n'en aura pas spécialement besoin, on a déjà énormément de résistance, énormément de PV, mais on peut le garder dans un coin de tête. Celui qui va nous servir le plus sur le gob-gob dans notre mode de jeu, c'est l'aura solaire. Laura solaire se pose à 3 PO minimum. Contre un point de Wakfu, elle vous permet également de placer une glyphe de taille 2. Cette glyphe soignera les alliés dans la zone, mais ça ne nous intéresse pas du tout dans notre mode de jeu étant donné qu'on n'a aucune maîtrise soin. Mais cependant, grâce à notre passif Étoile du Sud, tous les alliés dans cette zone bénéficieront de plus 2 PO et de plus 15% de dégâts infligés. C'est un boost vraiment, vraiment conséquent. Vous pouvez lancer cette glyphe sur n'importe lequel de vos tanks qui sera dans la mêlée, par exemple, et tous vos personnages DPT qui viendront se placer dans cette zone bénéficieront donc de plus 2 PO et plus 15% de dégâts. Et là où ça devient extrêmement intéressant, c'est si vous y ajoutez le passif étoile de l'Est. Étoile de l'Est est assez simple à comprendre. Les auras dont on vient de parler peuvent également être appliquées sur Modas. Cela veut tout simplement dire que vous allez pouvoir poser à présent deux auras solaires par tour. Si l'un de vos alliés se situe dans la zone du double glyphe, il bénéficiera donc d'un bonus de plus 4 PO et plus 30% dégâts infligés. Oui, c'est bien cumulable. Enfin, les deux derniers sorts de notre Gob Gob sont tout simplement Motivation étoilée qui nous permet de donner 2 PM à un allié au contact, ou bien Nova, qu'on peut lancer sur l'Osaboda, qui nous permettra de regagner 3 points de Wakfu et de sacrifier le Gob Gob. Notez que sur les 5 sorts présentés, c'est principalement Aura Solaire qu'on va spam et de temps en temps, si on peut on donne Motivation étoilée à un allié, il ne coûte pas de points de wakfu, c'est plus 2 PM au Enfin, le dernier passif que je vous conseille, c'est Art du Dressage. Art du Dressage vous permet d'invoquer deux créatures simultanément, mais en revanche, les dommages subis par les invocations vont être transmises à l'Ossamodas. Globalement, c'est pas très impactant, notre Samodas est un giga tank. Ces invocations sont des giga tanks, on risque rien du tout, et ça va nous permettre surtout de faire des combos extrêmement sympathiques que je vais vous présenter. Mais avant ça, revenons sur les quelques invocations que je vous conseille dans ce deck pour l'osamodas. On a déjà parlé du Tirailleur Wabbit, qui vous permettra le plus simplement possible de mettre des malus résistance aux adversaires en face. Dans une optique de Samodas Boost, je vous conseille évidemment le chaffeur d'élite. Le chaffeur d'élite est absolument monstrueux. Sa trompette de la mort permettra lancer sur lui, de donner plus 20% de dégâts infligés pendant un tour à tous les alliés qui étaient présents dans sa zone. En plus de ça, il fait un tick sur les ennemis qui vous permettra donc d'offrir un proc bonus de cré affaiblissant si les ennemis étaient dans la zone. Son sort sabre d'élite, lançable à 2 PO, infligera un peu de dégâts mais dont on s'en fout, mais permettra surtout également de mettre encore moins 50 de résistance élémentaire sans même avoir proc le passif cré affaiblissant. Enfin, son dernier sort, Tibia Mangeur, est un sort dont vous vous servirez également assez souvent pour proc, cri affaiblissant et pouvoir mettre davantage de vulnérabilité à distance. Rien que ces deux invocations ensemble, c'est le combo que je joue dans 95% des cas. On aurait pu s'arrêter là pour les invoques, je peux même vous en présenter d'autres, mais rien qu'à L2, vous pouvez très simplement mettre moins 200% sur un mob, moins 200% sur un autre, moins 50% sur un troisième et en plus booster tous vos alliés de 20% de dégâts. Deux autres sorts vont être dans votre deck naturel Forme Draconique, dont on ne se servira absolument jamais. Et le sort invocation, qui vous permet donc d'une part d'invoquer vos créatures, mais qui vous permet surtout, relancer sur une de vos invocations, de regagner des points de Wakfu en la sacrifiant. La troisième invocation que je vous conseille, surtout si vous êtes bas level et que vous n'avez pas encore énormément de coups critiques sur votre build, c'est le pieu rouge. Le pieu rouge, vous pouvez l'obtenir vraiment rapidement dès le début de l'aventure, elle est facile à capturer, et son sort picorage ardent ne sera pas très intéressant, il permet seulement de retirer quelques coups critiques, mais il vous permettra toujours de proc vos créatures affaiblissantes. Picor, quant à lui, est très intéressant car il permet de mettre un état sur une cible qui fait que chaque coup critique qu'elle prend infligera 10% de dégâts supplémentaires. C'est donc plus ou moins encore un boost de dégâts finaux de 10% de dégâts si vous êtes à 100% de coup critique. Sinon, c'est toujours ça de prix. Enfin, son sort de zone, Pius en s'écarlate, permettra dans une large zone de donner 15% de coup critique à tous les alliés qui sont présents dedans. Un très bon sort de boost si vous n'êtes pas à 100% de coup critique naturel. Ces trois invocations seront donc votre meilleur moyen de vous booster, de booster vos coups critiques, de mettre un peu de malus sur les ennemis. Mais du coup, revenons sur art du dressage et la puissance de pouvoir invoquer deux créatures en même temps. Prenons donc cet exemple avec trois cibles. On lance un cri affaiblissant, on en lance un deuxième. hop, On peut invoquer notre tirailleur wabbit à l'autre bout de la map. Et on invoque notre chaffer d'élite près des mobs. Ce qui nous permettra, autour des invocations, d'une part sur le mob qui n'a pas eu le malus, de lui mettre un coup et qui prend quand même moins 50 de résistance élémentaire. N'oubliez pas bien sûr que vous pouvez faire votre sort de zone également qui boostera de 20% de dégâts tous vos alliés dans la zone. Et votre tirailleur wabbit pourra mettre ces deux sorts de zone ainsi que les deux sorts qui repoussent. Ce qui nous permet donc dès le tour 1 de mettre deux cibles à moins 200% de résistance et une troisième à moins 50. Extrêmement fort pour qu'il y ait le plus rapidement possible des combats dès le tour 1. Pensez à mettre un max d'initiative bien sûr sur votre samodas. Couplé à ces trois invocations, je vous recommande également le gros coco qui est une excellente invocation tank. Le gros coco dispose d'énormément de PV et de résistance. Je vous laisse regarder les stats qu'il a à côté d'un DPT du même level. C'est là la grosse force de notre Osamodas tank. C'est qu'étant donné que les statistiques de vos invocations sont basées sur celles de votre Osamodas, vous avez donc des invocations boostées aux hormones, que ce soit en termes de PV ou de résistance. Avant de les faire tomber, je peux vous dire que les adversaires vont devoir y aller. Le gros coco a trois sorts très intéressants le sort hélicoptère qui vous permet tout simplement de vous téléporter sur une case le sort cocolaire qui vous permettra d'attirer un adversaire et enfin le sort cocolaté qui retire DPM à votre cible. Très très cool, et en plus ça nous donne l'occasion de parler du dernier actif dont je ne vous ai pas parlé, Tempête de Sable. Tempête de Sable pour 4 PA et 1 point de Wakfu vous permet, une fois lancé sur une cible, que les invocations au contact gagnent des résistances, du tac et de la parade, comme si ça suffisait pas. On vient donc tout simplement lancer sa Tempête de Sable sur l'ennemi qui est collé à nos tanks, hop, et notre gros coco devient à présent ultime avec quasiment 1300 de tacles, 85% de résistance partout et 9700 PV level 170. Bonne chance pour en venir à bout. Dans la même optique de tank, je vous recommande le Crackler. Énormément de PV, énormément de résistance, une invocation tank qui fait très bien son taf grâce à un premier sort qui lui permet de gagner et du tackle et des résistances lançables directement sur soi-même. Un sort de zone qui permet d'attirer de deux cases, très pratique à lancer sur soi pour regrouper plusieurs ennemis sur vous. Et enfin un sort de zone qui retire des PM tout autour de vous. Ces 5 invocations devraient largement suffire à remplir le rôle de notre Samodas du level 1 au niveau 230. Je vous conseille de garder les autres emplacements libres pour l'instant, on y mettra les invocations DPT ou les invocations soins une fois que je vous aurai présenté d'autres decks. Parce que vous verrez que notre sabotage peut également jouer d'autres rôles, on verra selon les situations, selon les donjons, selon les combats, etc. Mais du coup, vu que vous pouvez avoir que 10 invocations maximum, c'est intéressant que dans votre deck elles comprennent vos invocations support. DPT, soins, etc. On se voit très mal entre deux donjons, aller recapturer d'autres invocations, en libérer et tout. Donc vraiment, n'ayez pas peur, ces cinq invocations suffiront largement. Et comme je vous dis, personnellement, je n'ai pour l'instant joué que les deux premières que je vous ai montrées, elles me suffisent largement. Le fait justement d'être un Osamodas tank fait que même nos invocations qui sont censées être fragiles, comme le Chafer et le Tirailleur Wabbit, ont énormément de résistance, énormément de PV. Et en plus, avec le passifard du dressage qui fait que vous prenez les coups à leur place, elles ne mourront jamais. Sauf si vous les réinvoquez, etc. Mais ça rentre pas vraiment du coup dans la façon dont nous, on va jouer cet Osamodas boost tank. Voilà donc pour le tour complet du deck de l'Assamodas que je joue actuellement. Si vous avez bien suivi jusque-là, on a donc à présent le meilleur support boost du jeu. Notre Samotas est donc bien capable de monter jusqu'à plus 95% de dégâts finaux sur un allié. Beaucoup posent la question, mais le combo est donc tout simplement de faire une piqûre motivante, une célérité, la double zone d'aura solaire avec notre gobe, Gob, et enfin le sort de zone du Chafer d'élite. Sur un tour, on peut donc monter à plus 95% de dégâts finaux sur notre personnage de dégâts. Plus 2 PA à la piqueur motivante, plus 4 PO grâce aux auras solaires, et plus 2 PM minimum grâce à la motivation étoilée du Gob-Gob, ainsi qu'au PM donné par célérité. Rajoutez à ça que dans le même tour, il est possible de faire tout ça, et en plus de mettre minimum de mobs à moins 200 de 100% de vulnérabilité. C'est vraiment insane, ça permet de faire des tours 1 ou bien des tours sur un boss absolument ultime. Petite démonstration de tour directement en jeu. Au tour 1, on vient de donner Piqueur motivante, qui va nous donner 2 PA, 20% de dégâts infligés pour notre allié qui est censé taper. On invoque notre gob-gob qui va être là pour poser les auras solaires. On vient invoquer notre chasseur de lit dans une zone qui permettra de booster les cas et de toucher les ennemis. On pose le tirailleur bit derrière qui permettra de mettre les vulnérés. On pose double cri affaiblissant sur les adversaires pour leur placer le malus résistance. Et il nous reste à présent 3 PA à ce moment-là qui nous permettront avec Gambad de donner un peu de résistance à notre allié, à une invoque ou à qui vous voulez. On se rapproche de notre invocation chafer. Moi en général je fais ça comme ça. Je mets les deux en diagonale. Ça me permettra du coup avec le gob-gob et ses auras. D'avoir du coup 6 cases qui profiteront des bonus du coup plus 4 PO plus 30% de dégâts, les 6 cases que vous voyez ici. On peut donner motivation étoilée à notre DPS pour qu'il gagne quelques PM. Avec notre tireur wabbit, on vient fumer les ennemis pour qu'ils prennent le maximum du coup de malus résistance. On va mettre les deux attaques sur chacun des ennemis. Notre chasseur d'élite vient placer son sort de zone, placer la troisième attaque sur chaque ennemi et venir booster le Samodas. Et à ce moment-là, on a donc notre Eka Flip full boost qui va tout simplement pouvoir aller dans la double zone. Profiter de tous les bonus et mettre le maximum de dégâts du coup avec ses sorts full boostés sur des ennemis qui ont plus de malus résistance. C'est assez complexe à jouer, il y a beaucoup de choses à faire dès le début, surtout avec la double invocation, plus le gob-gob, plus les cris faiblissants Il y, y a beaucoup de choses à placer, mais vous verrez qu'au bout de quelques heures de routine à faire souvent le même tour 1, ça viendra assez facilement. Jamais aucune classe n'a pu faire autant de choses en un tour et c'est là la grande puissance de l'Osamodas. C'est ce qui le rend assez dur à jouer, mais ce qui le rend en même temps absolument god tier une fois qu'il est bien maîtrisé. Passons à présent au reste de la vidéo. Mais avant tout ça, j'espère que vous avez participé ce mois-ci au concours Instant Gaming disponible. Celui que je suis en train de vous présenter finit dans 17 minutes. À l'heure de cette vidéo, il sera terminé. Mais vous aurez accès au concours classique Instant Gaming qui vous permet de remporter le jeu de votre choix. Ça prend littéralement deux clics. Vous cliquez sur le lien, vous cliquez sur participer et c'est terminé. Peu importe le moment auquel vous voyez cette vidéo, le concours est toujours disponible étant donné qu'il se renouvelle à chaque fois. Bonne chance à tous pour le remporter et merci à Instant Gaming pour m'avoir proposé ça pour vous. N'hésitez pas à aller acheter des jeux chez eux, il n'y a pas mieux. Allez, on reprend, répartition des stats. Très simple, c'est un personnage tank, tout en résistance élémentaire, puis tout en PV. Derrière, tout en PV, facile. Dans la catégorie agilité, personnellement, j'aime beaucoup jouer tacle et esquive. Comme vous le voyez sur mon Osa 170, ça me permet d'avoir plus de 600 tacles et plus de 600 esquives. J'aime personnellement beaucoup, mais vous pouvez bien sûr tout mettre dans le tacle. Votre sort qui permet de pousser d'une case est quand même très pratique si vous avez besoin de bouger. En chance, on met évidemment tout dans la parade, la résistance critique et la résistance d'eau par la suite. Et enfin, dans les stats majeures, je vous conseille le PA évidemment, les points de Wakfu, très important sur Samodas, très important, les résistances évidemment. Et level 200 pour le quatrième point, on y mettra un petit PM et ce sera très bien. Si vous avez besoin de stuff pour n'importe quelle tranche de level de votre Samodas tank, je vous recommande de rejoindre mon Discord dans la description. Je suis en train de vous répertorier petit à petit les stuffs les plus optimisés pour toutes les tranches de level et les stuffs qui coûtent surtout le moins cher possible par rapport à leur efficacité. Vous y retrouverez les stuffs niveau 20, les stuffs niveau 50, les stuffs niveau 80, ça devient évidemment de plus en plus complexe. Et j'ai fini du coup il y a quelques jours les stuffs niveau 110. Vous y retrouverez tout ce dont vous avez besoin pour faire des build tank pour votre Samodas. Je compléterai les autres tranches au fur et à mesure dès que j'ai un peu de temps. Alors vous voyez cette vidéo, il y a peut-être déjà tout qui a été fait, je l'espère en tout cas. On se retrouve en tout cas là-bas ou même dans le chat Wakfu, hein. un Wakfu si vous avez des questions, si vous avez besoin de quoi que ce soit, on passe beaucoup de temps ici. Donc voilà, tout est dans la description. Au niveau des enchantements, on est sur un tank et du coup c'est relativement facile à mettre en place. Vous connaissez déjà sûrement très bien ce qu'il faut faire, je vous le remets quand même. On vient évidemment prendre la stat PV qu'on va avoir en doublé sur et la coiffe et le corps à corps, tout en bleu si possible. Et ensuite, on vient tout simplement proc le maximum de résistance. c'est-à-dire la ceinture en vert pour les résistances feu, les épaulettes en bleu pour les résistances eau, la cape en bleu pour les résistances eau, les bottes en rouge pour les résistances terre. Pour ce qui est des anneaux, on va plutôt chercher du bleu avec du tac, mais comme d'habitude, profitez des anneaux pour surtout mettre vos sublimations en priorité. La mulette, on vient chercher un peu d'initiative et un peu de résistance. Et enfin, le plastron, comme d'habitude, on vient harmoniser ses résistances par rapport au deck qu'on a choisi pour avoir des résistances équilibrées un peu partout. Au niveau des sublimations que je vous conseille, les supportants tanks n'ont pas besoin de grand chose, mais ils ont besoin de quelques trucs qui sont quand même très cool. Je vous recommande chaudement, pour pas trop cher, de placer 3 cicatrisations 2. L'état cicatrisation au niveau 6 pour pas très cher vous permettra donc tout simplement d'avoir plus 30% d'HP. Ça vaudra pour vous et pour vos invoques. On vient évidemment chercher une petite vélocité qui vous donne 1 PM contre des dommages infligés en moins. On n'est pas là pour taper de toute façon, c'est un PM offert. Si vous pouvez placer une ou deux enveloppes rocheuses 3, c'est évidemment toujours mieux. Plus 18% d'armure donnée, ça sert toujours. Surtout si vous avez un peu de budget dispo, c'est toujours très cool. Il en est de même pour longueur d'armure, qui ne coûte pas spécialement cher. Longueur d'armure 3 plus 12% d'armure donnée sur un allié en ligne et à distance peut monter jusqu'à 24% du coût d'armure donnée, cumulable avec enveloppe rocheuse. Fera de votre ça du coup un personnage qui donne énormément de shield, toujours pratique si vous n'avez plus de points de Wakfu, plus d'invoque, ou si vous savez pas quoi faire, vous paniquez, on met plein de shield d'un coup et on a un tour de jeu qui ressemble quand même à quelque chose. Enfin, sur votre Samodas, dimensionnalité va bien sûr être très pratique, plus un point de work fou au premier tour. Étant donné la quantité de choses qu'on a à faire au premier tour avec notre Samodas, il est le bienvenu et en plus, il coûte pas très cher. Au niveau des sublimations reliques, vous embêtez pas trop, le personnage fait très bien l'affaire sans, mais si vous avez les moyens, n'hésitez pas à ajouter une petite longévité qui vous permet si vous subissez des dégâts de face et en mêlée, de gagner 10% de vos PV en armure et d'avoir un bonus de plus 40% d'armure donnée. Toujours pratique à avoir, faites attention cependant au coût de la sublimation. Également, Pacte Wakfu s'avère très intéressant. Il vous permet du coup, si vous avez plus de 8 points de Wakfu au début du combat, ce qui sera largement votre cas, de gagner un bonus de 15% de parade et 10 volontés. C'est toujours ça de prix. Ça peut être cher pour 15% de parade, mais c'est du bonus, on le prend. Si vous en avez les moyens, faites-vous plaisir. Et c'est donc tout pour la présentation de cette Osamodas Tank Boost. J'espère que j'ai réussi à vous faire comprendre le maximum des mécaniques du coup de l'Osamodas Support. On attaquera évidemment un petit build Osamodas DPT dès que je peux, dès que j'ai le temps et dès que je l'ai testé. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve sur Twitch. Évidemment, ça fait du bien de faire des petits live WAPFU. J'aime beaucoup en ce moment. Et on se retrouve très bientôt. Ciao!